Je vous salue. Amen. Je suis le prophète Joël Crasso. Le samedi, nous sommes à samedi 1er décembre 2018. Nous sommes à 15h40, 40 minutes, heure de Paris. Voilà. Le monsieur qui est arrivé aujourd'hui là, à cause de sorcellerie avec sa fille, c'est ça? Oui. Il est où? Il est là. Vous l'envoyez. Venez. C'est où là? Monsieur, ça vous va? Comment vous appelez? Je m'appelle Dago Hervé. Dago, Je suis de Lakota. Vous avez fini Baba Mélène, Dragon, tout ça, vous-même là, vous êtes dans le cas fatigué. Vous avez envoyé plusieurs fois les gens, je ne parle pas de toi, c'est mon frère, donc, mon fils aussi, mais les Dida, si vous voyez les Dida, ceux-là sont trop experts en sorcellerie. Ce sont eux, ils n'avancent jamais. Tu ne vas jamais voir Dida qui est ministre qui dit longtemps. Dans le ministère, il ne dit jamais longtemps. Vous avez vu Dida Kouassi, il n'a pas duré dans le gouvernement. Louga François, il est mort pour. Qu'on appelle le Bouga Doudou l'a tué. Il n'y a pas un ministre qui tue dans le gouvernement. C'est-à-dire que vous les Dida, bref. C'est pour ça que je suis chez vous là-bas. Vous faites tout ça là, mais on est ensemble, je les max seulement. Moi, je ne dis pas à vos sorcelleries, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? J'ai envoyé quelqu'un, un grand sorcier de Dida, pour venir me tuer, les nuits fous dans la cour ici, là. Et puis il est mort. Il allait à Zaroko prendre de l'huile, il est venu tourner ici. Il a crié comme un mouton, ben, et puis il est mort après. Voilà. Donc nous, mais oui, vous prenez sur ce parce qu'il est blanc la technologie. Moi, je suis ici à Paris, toi, tu es à Divo. À Divo, là-bas, pour on parle. Mais vous, vous avez pouvoir. Les blancs sont venus vous attacher comme esclaves, vous envoyer ben, comme des moutons pour aller dans les champs de canne à sucre. Vous prenez balai ici pour s'envoler. Or, nous, on fait 6 heures du temps dans l'avion, vous venez à Paris, à Divo. Vous faites 15 minutes. Vous ne pouvez pas prendre ça pour aider les gens. Bref. Qui est sorcier dans ta famille? Qui t'envoie qui? J'ai envoyé ma première fille. Elle est où? Ça va, c'est Comment tu t'es retrouvé ici? Moi-même? Oui, c'est le père qui est. C'est moi, c'est moi. Bon, j'ai. Le papa, comment il s'est retrouvé là? Voilà. Bon, j'ai détecté sur elle qu'elle était sorcière. Et donc, je l'ai amené à Soubré. Il y a un apôtre, je ne connais pas son nom, mais c'est un gendarme. Et donc, quand je suis parti, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé ses enfants et ils ont commencé à prier. Quand j'appelais, on dit que ça va. Mais arrivé à ce moment, c'est la fille même qui chicotait tous ceux qui venaient pour leur délivrance. Elle chicotait. Elle envoyait son groupe et chicotait tous ceux qui étaient là. Ah, donc la fille en question, elle est partie se faire délivrer. Oui. Et dans le temps de prière, maintenant elle chicote les gens. Elle chicote les gens. Et même lui qui était là, à qui j'ai confié ma fille, il était malade. Mais elle aussi, elle a rendu malade le monsieur. non, non, il était malade avant. Mais elle aussi, elle a mis sa part dedans. Elle a mis boisson un peu. Voilà. Et donc, c'est comme ça, ils l'ont expédié sur Giglo, parce que moi, je suis à Giglo. Ah, donc, on n'est pas venu pour faire mort. Voilà. Même ma collègue était délivrée, tu viens, on a qu'à travailler avec lui, donc il t'a expédié. Voilà. Il n'est pas délivré. Voilà. Même, ils l'ont mis à l'école là-bas, pour qu'elle fréquente, parce qu'elle est bien, puis tout le monde l'aime. Donc, il y a une femme qui l'a prise pour la mettre à l'école. Elle a fait une semaine, mais la femme, même, elle était attaquée aussi. Pas elle. Donc, voilà. Tous ceux qui l'aiment, elle fait le contraire. Et quand tu parles mal d'elle, c'est là elle vient t'attaquer. Et donc, c'est. Ici, là, c'est terminé. Amen, amen, amen. Et donc, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Le frère, là, il s'appelle Yves. C'est comme ça, il m'a dit. Ah, faut partir à Divo, il y a un prophète
on l'appelle prophète Kerasou. Il dit, bon, il dit, il ne connaît pas son numéro. Donc, quand j'ai appelé ma maman de l'église à Guiglo, parce que moi, je suis à Bleuquin, dans un village. Tu fais quoi là-bas? Je suis pasteur. Ah, tu es pasteur? Oui, oui. Et donc, quand j'ai appelé la maman, c'est là la maman dit, moi aussi, je connais un prophète à Divo, c'est le prophète Kerasou. Il dit, ah, non, ça a tombé. Il dit, est-ce que tu as son numéro? Elle dit, il y a son numéro, il y a ce que Dieu est dedans. Et c'est dans ça qu'elle m'a donné, et je suis venu ce matin. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est bien, très bien. C'est bien pour ton humilité. Voilà, parce que le ministère, ça se complète, hein, se complète dans le ministère. Amen. Te soutenir, t'aider. Amen, amen. Voilà. Comment ça s'appelle? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Davoine Marie. Anne-Marie, ça va? Oui, papa. Quelle sorcière? Oui, papa. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma camarade. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Evelo. Evelo, comment elle t'a donné? En mangeant. Oui, elle t'a donné ça en mangeant. Oui, papa. Il s'est passé comment? Ma maman était partout au marché. Maintenant, moi j'étais à la maison. Maintenant, mes frères sont quittés à l'école. Quand ils sont quittés à l'école, maintenant maman avait laissé. Avait... Mets-toi un peu devant l'écran, je viens te voir. Non, non, elle n'a pas t'arrêter là. Je la vois. Maintenant, elle fait de même. Oui, voilà, vas-y. Non, devant, voilà. Voilà. Voilà, vas-y. Maintenant, quand mes petits frères et mes petits sons sont quittés à l'école, maintenant je les ai servis. Maintenant, moi, elle en a mangé. Maintenant, la nuit, elle est venue. Maintenant, elle dit, moi, de donner ce que moi, j'ai mangé. Maintenant, première, elle n'est pas parlé. Maintenant, elle dit, viens, qui t'a mangé, il faut donner. Maintenant, elle dit, c'est ma maman, tu as préparé. Et puis, toi, tu dis, de donner. Elle dit, toi, tu as vu son vin que ta maman a préparé. Et que moi, j'ai changé son vin de l'or. Et c'est, moi, lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Puis, elle dit, partout où moi, je passe, il y a ici les gens. Donc, c'est la même chose aussi, toi, tu as fait. C'est ça. Quand mon papa est venu me chercher, maintenant il m'envoie à Guiglo. Maintenant qu'il m'envoie là-bas, là, mon papa m'a demandé, maintenant il a nié. Maintenant après il m'a demandé, puis j'ai parlé. Maintenant j'ai une petite fille qui était là-bas. Là. Ma tante qui était là-bas, elle dit d'initier la petite fille là. Donc quand il y a une initiée là, maintenant on partait, dans notre groupe on partait. Maintenant il y a une vieille qui l'a pris. Elle dit la fille là-bas a rassé de son camp. Donc elle a mis la fille là de son camp. Donc la fille là. Elle est devenue servante. C'est là-bas, elle est devenue servante. Elle est sur le pied de la vieille. Elle est sur, elle lave la vie de ses enfants. Donc, moi, c'est la même chose que j'ai fait à ma reine. Donc, c'est la même chose. Non, non, non. Tu as tué combien? Quand il y avait 7 ans, j'ai tué 42. Maintenant, quand il y a eu 9 ans, j'ai tué 92. Quand tu avais combien? 7 ans. Quand tu avais 7 ans, tu as tué combien? 42. Tu as tué 42. Et quand tu as eu combien après? 9 ans. 9 ans, tu as tué combien? 92. 92. Maintenant, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Ok. Donc, à les 80, 40 plus les 92, c'est ça? Ça fait combien tout? 48 plus 48, 92. 42, 92, c'est 134. Donc, tu avais tout, 134, tu as tué. Papa. Oui. Comment tu fais pour tuer les gens? Quand je les vois là, je me transforme en chat. Maintenant, j'appelle les âmes. Arrivé là-bas. Quand la nuit ou bien c'est dans la journée? C'est la nuit. Et tu fais comment? Je me transforme en chat. Maintenant, quand je me transforme en chat, je m'arrête. Maintenant, j'appelle les âmes 3 fois. Maintenant, quand ils regardent derrière, je sens 3 fois. Je prends les âmes. Maintenant, je m'en vais. Maintenant, je dis esprit d'animal. Esprit d'animal. Fais en sorte que cette personne se transforme animal. Maintenant, quand la personne se transforme, je prends un gros bois, puis il en sort. Maintenant, il meurt. Donc, quand tu prends l'âme, tu dis esprit d'animal entre en cette personne. Et oui, tu dis peut-être bœuf ou mouton, et la personne se transforme en animal, c'est ça? Oui, papa. Et tu prends le bois et tu en sommes la personne. Papa. Et tu manges la personne. Papa. Vous mangez ensemble la personne. Oui, papa. Donc, ça dit quand tu tues des gens, tu montes en grade. Okay. Et tu as gâté combien? Tu fais comment pour gâter la vie des gens? Le doigt là, le doigt. Oui, allez-y. Quand je suis
quand je suis avec quelqu'un, maintenant pour gâter sa vie, je me rends en serpent. Maintenant, je rentre dans la maison. Quand je rentre dans la maison, après, je me rends en homme. Maintenant, quand il ne veut pas qu'il me voie, je rentre dans le mur. Maintenant, après, je me rends invisible. Maintenant, après, quand je sors, je prends tous ses papiers. Maintenant, je me rends hibou. Maintenant, quand je m'en vais là, je sors. Maintenant, quand je sors là, je m'en vais avec ses papiers. Et puis, je prends une canarie. Maintenant, je mets les papiers dedans. Et puis, je dis, je bloque sa vie. Moi, je bloque son mariage, je bloque son travail, je bloque tout ce qu'il va entreprendre. Maintenant, tout ce qu'il a là, je bloque tout. Maintenant, si on veut lui donner travail, que le monsieur le refuse. Ils t'ont envoyé dans combien de points? C'est le deuxième point. Ok. Tu sais pourquoi je te prends maintenant? Je devais prendre la petite fille là. Mais je suis en train de te prendre parce que quand tu es venu, tu as craché dans la cour là-bas et tu as dit que tu allais envoûter la cour. Hein? Vrai. Voilà. Et pendant que le pasteur est en train de parler avec toi, tu as envoyé un serpent pour que le serpent entre dans son corps sans pas pu rentrer. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Qu'est-ce que tu veux juste? Tu veux délivrer ou pas? Je veux délivrer. Voilà. Donc, ce que tu entends d'essayer là, pourquoi je t'ai pris tout de suite? J'ai laissé la petite fille et puis je t'ai pris rapidement. Parce que toi, tu penses que tu peux envoûter. Tu as craché dans la boue et tu veux envoûter tout le sens. Ok? Pendant que le pasteur est en train de parler avec toi tout à l'heure, tu essaies d'envoyer un serpent, mais ça n'a pas pu le pasteur. Ça n'a pas pu rentrer dans le corps du pasteur. Voilà. Pour te dire, ton serpent, il est où? Il est là. Il est où? Je l'ai mis à quelque part dans une case. Quelque part dans quelle zone? Je l'ai mis où, dans le camp des sorcelleries. Non, mais le serpent se trouve dans ton anus. Il se trouve en toi et dans ton anus. C'est à partir de ton anus qu'il sort. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Tu vois, on te dit que je sais qui tu es. Ce serait que je t'ai pris tout de suite. Parce que moi, c'est le pasteur qui te rentre. Et puis tu vas. Voilà. Ce serait que je t'ai pris tout de suite. Voilà. Et ce serait comme les gens n'ont pas l'habitude de te voir, ce serait que tu arrives à les détruire. Excusez-moi. C'est ça, comme les gens n'ont pas l'habitude de te voir, c'est cela que tu arrives à les détruire. Mais je veux t'aider, mais tu es à ton terminus. Voilà, tu es à ton terminus. J'aimerais que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, sinon c'est très dangereux. Voilà. Et tu as l'habitude de rentrer dans le corps des femmes. Et tu aimes bien, quand les femmes ont une nouvelle grossesse, tu aimes bien rentrer et puis tu casses le fœtus là, tu détruis. Tu fais ça ou pas? Ouais. Okay. Est-ce qu'on se connaît? Non. C'est la première fois qu'on vient se voir. Papa. Ton papa aussi, est-ce qu'on se connaissait? Non. Voilà. Tu as entendu parler de moi, tu ne me connais pas. C'est ça. Tout ce qui a affaire à la sorcellerie, là, c'est ce don-là, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux être délivré? Papa. Non. Tu connais la sirène des eaux? L'esprit des eaux? Oui. Tu travailles avec elle? Oui, papa. Comment tu as contacté ça? Quand je suis arrivé là-bas, ma camarade m'a appelé. Maintenant, elle allait me mettre à côté de nous. Oh, maintenant, quand elle a appelé, la sirène est venue. Maintenant, elle dit, moi, Dieu, je ne te connais pas. Maintenant, elle dit, moi, ici, la sirène des eaux. Quand on va travailler ensemble, c'est ça. Et lui a répondu d'accord. Donc c'est à partir de ce jour qu'on a travaillé ensemble. Et donc elle te demande de donner la prostitution aux gens. Oui. Et donc tu donnes la prostitution aux gens. Oui. Et tu fais que les gens puissent, quand les gens dorment, tu donnes cette maladie-là pour que les gens, quand dormant, ils puissent, ils pissent. Oui. Et donc tu couches avec ton papa. Non, laisse-la, on ne la force pas.
tu couches ton papa et ton, ton mari. Et le serpent qui est en toi, là, c'est ce qu'on appelle dragon. C'est ça? Oui. Et les soirs, je te dis en même temps ce que tu fais. Les soirs, tu deviens une jeune fille. Et tu deviens une jeune fille de 21 ans et tu vas te prostituer. On te voit dans les rues, n'est-ce pas? Tu vas même jusqu'à Abidjan, tu te prostitues. Et quand tu te prostitues, les gens couchent avec toi, ces personnes-là meurent après. Tu le fais ou pas? Oui. Okay. On te dit, je sais qui tu es. Et je sais que tu es très dangereuse. Mais je suis prêt à t'aider. Et pendant que je parle, je vois l'esprit de la sirène en toi. Et je vois l'esprit là qui veut m'attaquer. Mais il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas m'attaquer. Effectivement, elle est très dangereuse. Partout, elle passe, elle gâte. Mais par compassion, on va la délivrer. Tu veux délivrer? Oui, papa. L'esprit va sortir. Tu es d'accord? On va te délivrer. Ah, c'est cher, je fais qui ça même pas. Ça cherche. Parce que c'est la petite là voulait te détruire. Elle voulait te terroriser. La gloire à Dieu. Donne le micro à son père. Bien yes, ça. Okay. Est-ce que toi une fois, j'ai une fois vu toi et moi? S'il vous plaît. Est-ce qu'on s'est une fois vu? Non. Voilà. C'est mon don, ça. C'est mon don. Et je vais l'aider parce qu'il est très dangereux. Tu vois, je t'entends, je devrais prendre la petite qui est juste à côté. C'est ça. Parler avec elle. Mais quand elle est venue, elle a commencé déjà, elle avait commencé déjà à vouloir détruire le centre. Et le Seigneur me dit, c'est un élément très dangereux. Donc, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur sa vie. Et donc, je vais la prendre. Si elle est d'accord, mets-toi devant ici. Touche ta poitrine. Je sais que l'esprit va sortir. Touche. Tu es d'accord? Compris pour toi? Je prie que ce démon qui en est, toi démon, l'esprit de la sorcellerie, je m'adresse à toi. Tu vas te manifester et quitter son corps. Voilà, je te sens dans son corps. Ce corps ne t'appartient plus. Quitte son corps parce que cette jeune fille doit servir Dieu. Elle doit plus être à ton service. Donc pendant que je parle, toi l'esprit du dragon et le pouvoir de la sirène des eaux, tu manipules la vie de cette jeune fille, maintenant même pendant que je parle, le Saint-Esprit vient jusqu'à elle et la puissance de Dieu te touche. Le feu descend depuis sa tête jusqu'à les plans de ses pieds. Voilà, sors d'elle. C'est un ordre. Tu te manifestes et tu pars pour que désormais sa vie puisse servir à la gloire de Dieu. Laisse cette jeune fille, cette fillette, elle ne t'appartient plus. Voilà, tu as échoué et va-t'en. Tu as échoué et va-t'en. Manifeste-toi et pars. Maintenant même. Tu ne pourras pas résister à cette action de Dieu parce que Jésus-Christ a décidé de la libérer. Donc manifeste-toi et pars. Manifeste-toi et pars. Manifeste-toi et pars. Maintenant, le feu sur toi. Voilà, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu de l'Esprit de Dieu sur toi. Le feu de l'Esprit de Dieu sur toi. Voilà. L'Esprit de Dieu te touche. Voilà. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur toi. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir. Je te commande. Voilà. Je te commande. Maintenant. Maintenant.
maintenant, la puissance de Dieu. Comment? Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Dégage d'elle. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu iras. Et tu lâches son âme. Quitte son corps. Allez. Quitte son corps. Va. Voilà. Feu. Va-t'en. La puissance de Dieu terrasse ton pouvoir. Détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Lui, tu quittes son corps. Va-t'en, allez. Dégage. La puissance de Dieu. Tu libères son âme. Maintenant même. Dégage d'elle. Voilà, va-t'en. Tu vas partir. Sors de son corps. Tu ne pourras pas résister à cette action de l'Esprit de Dieu en elle. Tu ne pourras pas résister à cette action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. Sors d'elle. Voilà, va-t'en. Tu vas partir, c'est un ordre. Quitte son corps. Tu iras au nom de Jésus. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Allez, dégage. Le feu sur toi. Sors d'elle. Allez, feu. Commande au nom de Jésus. La puissance de Dieu terrasse et détruit ton pouvoir. Là où tu es, la main de Jésus-Christ vient te libérer de cette présence satanique et de la sorcellerie dans ton corps. Tu ne te donneras plus à manger et à boire le sang des gens. Maintenant même, Jésus te libère. Maintenant, sa puissance te délivre. Toi, tu sors de son corps. Pouvoir d'esprit des eaux, la sirène des eaux, et l'esprit du dragon en l'air, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu te délivre. Reçois pendant que tu es touché une force de l'Esprit de Dieu qui vient te libérer. L'Esprit te libère maintenant. Vous pouvez la soulever. Il demande au pasteur. Voilà la puissance de Dieu. Allez, dégage. La puissance de Dieu. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu. Allez, dégage. Allez. La puissance de Dieu. Reçois le miracle de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois. L'Esprit sort et quitte ta vie. Maintenant. Voilà, maintenant. Tu es libéré. Tu te déclares libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Voilà. Et je déclare délivré maintenant. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Voilà, le dragon disparaît de sa vie. Tous les démons, l'esprit, la sorcellerie, pour quitter définitivement sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te libère.
Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Père, je te rends la gloire pour ta main sur sa vie. Je te rends la gloire pour sa main sur sa vie. Gloire à ton nom pour la délivrance que tu accordes à sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le dragon est en train de partir. Le sang est en train de partir. La sirène est déjà partie. Le dragon parle. Et cette petite fille, elle avait 300 démons en elle. C'est-à-dire, à part la sirène des eaux. Et l'esprit du dragon, qui sont les puissants, les piliers dans sa vie, il y avait 300 démons. Voilà. Voilà. Vous dégagez totalement et libérez sa vie. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu sur sa vie. La gloire de Dieu sur sa vie. La gloire de Dieu sur sa vie. La gloire. Voilà. Vous partez familier et vous la libérez maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus te libère. L'évangile, je l'ai tout sa tête. Tout sa main sa tête. Voilà. Reçois. Voilà. C'est fini. Voilà. Voilà, laisse sa tête, laisse. Voilà, c'est fini. Montez la main comme ça. Mais son âme n'accepte pas qu'elle ait perdu ce pouvoir. Mm-hmm. Tu comprends? La petite là a fini par prendre goût à la sorcellerie. Et donc elle dit, il faut me laisser. Ça veut dire que son pouvoir vient de prendre fin et l'esprit n'accepte pas. Et son corps même n'accepte pas qu'elle soit délivrée de ce démon. Amen. Il faut l'appeler, il faut dire Anne-Marie, le prophète, il veut regarder. Anne-Marie. Le prophète veut te réaliser. Regarde-moi si tu te fais. Faut réaliser le prophète. Voilà, faut réaliser. Ah, Marie, elle refuse qu'elle soit, qu'elle ait perdu son pouvoir. Regarde-moi, Marie. Réalise-moi. Voilà, c'est bon. Ça va? Faut répondre. Ça va? Prends le micro. Ça va? Ah, Marie. Vous parlez. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça va? Oui. Ah, Marie. Oui. Regarde-moi. Ça va? Oui. Comment tu descends? Comment tu descends?
Oh, regarde-moi, comment tu fais ça? Faut répondre, il va prendre ta sac. Hein? Voilà, donc, Thierry, comme tu as perdu ton pouvoir, tu es fâché. Hein? Tu es fâché? Tu es maintenant vide, c'est ça? Tu es vide de ton pouvoir. Tu es vide, il faut répondre. Regarde-moi. Lève-toi. Pas attaché, pas une. La petite fille, elle voulait venir manger au centre là-bas. Elle avait fait que genoux, tout ça, elle sort sur le corps. Pour la vie. Bon, faut pas fermer les yeux. Ça va? Oui. Tu te sens comment? Je me sens bien. Hein? Je me sens bien. Mais pourquoi tu disais non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, pas très bon. Faut parler. Hein? Je veux comme un dessin. Pourquoi? Tu n'es pas contente. Tu as perdu ton pouvoir. Oui. Hein? Oui. Elle a perdu sa richesse. Tu as perdu ton pouvoir. La richesse, elle a perdu ça. Pas richesse, le pouvoir de la sorcellerie, quelle chose est là? Ça va? Oui. C'est fini? C'est pas une bonne chose, la sorcellerie. C'est fini ça. Pasteur Dago. Va. Va, je suis là. Je suis là, c'est terminé. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton papa ce qui s'est passé. Dis à ton papa. Dis à ton papa ce que tu as vécu. Dis à ton papa, réalise, dis ce qui s'est passé. Quand tu dis de venir m'arrêter ici là, maintenant la sirène des eaux, puis le serpent là, m'avait entouré, il m'avait attaché avec la queue. Maintenant, quand tu as commencé à prier pour moi, la sirène des eaux, elle est partie. Maintenant, le serpent, lui, il était attaché. Maintenant, quand tu as prié, lui, il s'est détaché. Maintenant, tu peux tourner ton visage vers ma vie, pas moi, voilà. Oui. Maintenant, après, quand il s'est détaché, après, au moment de partir, il a fait les choses. Il voulait m'attacher encore. Maintenant, j'ai commencé à crier. Dès qu'il m'a attaché, j'ai dit laisse-moi. Faut me laisser. Jusqu'à après, il a détaché, puis après, il est parti. On peut acclamer le Seigneur. Il me semble que tu te sens vide et ça te pas, tu te sens pas trop à l'aise. Tu es vide, c'est ça? Oui, papa. Tu aimes bien, tu aimes le pouvoir, tu aimes régner sur les gens. Hein? Papa. Et donc tu sens que tu es délivré. Papa. Gloire à Dieu. Tu vois, monsieur le pasteur Dabou, c'est comme ça ici, c'est votre spécialité, c'est fini. Ici, en quelques temps, c'est fini. On n'a pas besoin de faire des années pour être délivré. Amen. Mets les bras, serre la fille dans tes bras et dis, je t'aime ma fille et je remercie Dieu parce que tu as délivré. Qui est ta fille? Je t'aime ma fille. Vous m'attrapez. Attrape-moi. Je t'aime ma fille.
Et je glorifie le nom de Dieu parce que tu as délivré. Et je vais te toujours t'aimer comme ma fille, ma première fille, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le pasteur Bango, merci pour ta grâce sur eux, merci de les restaurer, merci de restaurer leur vie, merci d'intervenir pleinement dans leur vie, merci pour la vie de cette fillette que tu transformes, merci au nom de Jésus de Nazareth, merci et la gloire te revient pour ta puissante main et merci pour ce sang, merci pour ceux qui sont actuellement là, de les guérir et de les visiter dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.